Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove, le podcast qui aide les femmes atteintes d'endométriose à vivre une vie plus sereine, kiffante et sans douleur. Tu peux me retrouver sur www.endolove.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, la page Endolove. N'oublie pas aussi de télécharger mon e-book pour soulager tes douleurs, il est gratuit. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'art de la tisane avec ton cycle féminin et notamment pour soulager tes symptômes d'endométriose. Alors effectivement, comment déjà on fait une tisane? Puisque comme je disais, c'est tout un art et il y a des petites choses à savoir pour pouvoir vraiment apprécier et bénéficier de tous les pouvoirs des tisanes pour t'aider pendant ton cycle féminin. Ce qui est important déjà, c'est qu'il faut faire frémir ton eau, ne jamais la faire bouillir, sinon les propriétés des plantes ne vont pas être libérées comme il faut et elles vont être même détruites par la chaleur. Ensuite, il faut bien couvrir ta tisane pendant 10 minutes, puis filtrer et la consommer. Mais déjà, il faut savoir choisir une plante ou des plantes pour t'aider pendant ton cycle féminin. Alors, comment on choisit ces plantes? En fait, ce qu'il faut faire, c'est choisir une plante principale avec une action majeure sur laquelle tu veux avoir des résultats et des actions complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas trop mélanger de plantes pour avoir vraiment un maximum d'effet. Donc je pense que environ 3, maximum 4 plantes suffisent pour avoir une tisane qui soit efficace, qui soit bonne aussi, parce que mélanger trop de goûts, ça ne va pas être forcément très très bon. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans le podcast comment on va choisir ces plantes en fait. En termes de quantité, en général, ce qu'on dit, c'est le creux de la main pour chaque plante. Donc, si tu as 3 plantes dans ta tisane, tu prends 3 creux de main de chaque plante. Idéalement, les tisanes, c'est entre les repas pour avoir un maximum d'effet. Et c'est 2 à 3 tisanes par jour. On dit souvent matin à jeun, en général autour du midi et le soir avant de se coucher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des pauses thérapeutiques, comme on dit, à respecter. C'est-à-dire que pour avoir un maximum d'effet et ne pas avoir d'effet toxique, il faut en général peut-être consommer ta tisane ou tes tisanes pendant 3 semaines, d'une même plante, hein, je veux dire, avoir une pause pendant une semaine et ensuite recommencer 3 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les plantes peuvent être très puissantes et on sait qu'il peut y avoir des effets secondaires, voire toxiques. Donc, il faut être prudent. Alors, concernant l'endométriose, on a plusieurs options parce que quand on souffre d'endométriose, on va avoir envie de soulager des symptômes, de soutenir le foie. Ça peut être aussi de se reminéraliser puisqu'on est très fatigué en général après les règles ou pendant les règles. Donc là, je vais te proposer plusieurs options de plantes que j'adore, que j'utilise et que je bois très souvent. Et vu qu'il y a plusieurs options, tu pourras un petit peu jouer avec tes compositions et voir dans quelle composition te convient le mieux et écouter ton corps et faire un petit peu des tests pour voir ce qui te convient à tel moment du cycle par exemple. Donc pour soulager les douleurs, j'en ai 2 qui sont mes 2 favorites. La première, l'acquis des millefeuilles que tu connais très bien parce que j'en parle beaucoup dans mes podcasts et sur mon site. C'est vraiment la plante qui a changé ma vie, l'acquis des millefeuilles, et qui a vraiment, en grande partie, permis de soulager mes douleurs de règles. Donc l'acquilée, tu peux la boire pendant les règles et en phase lutéale, c'est-à-dire la phase juste avant les règles, parce qu'elle va permettre à ton utérus de se préparer, de se détendre, et donc d'avoir moins de douleurs. Tu peux aussi utiliser le framboisier. Le framboisier à éviter pendant les saignements, mais c'est vraiment la plante amie de la femme, quel que soit le moment de la vie, je dirais. Donc pendant les règles, hors des règles, en ménopause, pendant l'adolescence, c'est vraiment la plante amie de la femme. Elle va aider à régulariser le cycle et aussi à gérer les douleurs. Ensuite, on a des plantes qui vont aider à soutenir le foie. Pourquoi c'est important de soutenir le foie quand on a de l'endométriose? On a une inflammation constante en ayant cette maladie et le foie nous aide en fait à bien digérer les graisses et à dégrader les hormones.
Donc, d'autant plus si tu es sous traitement hormonal, sous pilule ou d'autres traitements liés à l'endométriose, il va falloir vraiment soutenir le foie. Ça va être important pour que tu te sentes plus en forme et que tu élimines aussi les hormones, les mauvaises hormones, on va dire. Donc, pour faire tout ça, le romarin est la plante qu'il te faut. Ensuite, on aura aussi sûrement besoin de se reminéraliser, c'est-à-dire de refaire le plein de minéraux, notamment après les règles, qui est une période assez compliquée en général, fatigante. Et à ce moment-là, l'ortie est la plante qu'il te faut pour te reminéraliser. Elle est pleine de fer. Elle est vraiment bourrée de fer. Donc en général, moi, je la bois juste après les règles pour me faire du bien et me donner un petit coup de fouet après cette période qui est toujours un petit peu fatigante. Après, on a d'autres options. Par exemple, si tu as un flux abondant ou très abondant, l'ortie va t'aider à la fois à régulariser et à te reminéraliser, comme je te le disais tout à l'heure. On a aussi le lamier qui est vraiment aidant et qui va régulariser en fait les flux. Et enfin, ce que je te propose aussi, c'est une action plus apaisante. Dans ces moments, alors que ce soit avant les règles avec le syndrome prémenstruel, pendant les règles où on est toujours fatigué, on est un peu énervé, on aura besoin en fait de plantes qui vont nous apaiser. Et là, j'en ai trois que tu dois vraiment avoir dans ton placard. On a la lavande, la camomille et la mélisse. Avec ça, tu peux vraiment pas te tromper. Tu vas vraiment apprécier les bienfaits. Elles sont vraiment calmantes, apaisantes. Je te conseille vraiment de les boire, de les consommer régulièrement. Donc, tu as toute une série de plantes pour te soutenir pendant ton cycle. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que en fait, les plantes vont vraiment t'aider dans une approche globale. Donc, effectivement, si tu consommes encore un McDo par jour, tu auras beau boire des litres de tisane, on est d'accord, ça ne va pas servir à grand-chose. Là où les plantes peuvent vraiment t'aider, c'est dans une approche holistique, dans une approche globale. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas travailler sur ton hygiène de vie au sens large. Ça ne veut pas forcément dire tout revoir du jour au lendemain et passer de un McDo par jour, zéro sport et un paquet de cigarettes par jour à se transformer en moine bouddhiste et consommer une tisane par jour. Non, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de revoir son hygiène de vie, petit point par petit point, petit à petit, et les plantes peuvent clairement t'aider et agir en soutien très très fort dans ce contexte-là. Alors, où les trouver? Donc, si tu as la chance d'habiter à la campagne, tu peux ramasser les fleurs et les plantes, et ça c'est super et c'est un luxe. Je pense que la majorité d'entre nous sont pas forcément dans cette situation, donc à ce moment-là, on va les acheter en magasin, on va les acheter séchées. Où est-ce qu'on peut les trouver? On peut les trouver en magasin bio, on peut les trouver chez des petits commerçants spécialisés, dans les AMAP, en direct chez des producteurs aussi, et aussi dans les herboristeries. Elles fleurissent un petit peu partout dans les grandes villes notamment, et je sais que là où j'habite à Nice, il y en a de plus en plus. J'adore aller dans les herboristeries. En général, les personnes qui travaillent dans les herboristeries sont des passionnés, qui partagent beaucoup de connaissances, qui sont des puits de science. Et je pense que c'est important de perpétuer cette tradition, cette connaissance, ces savoirs, et de les partager autour de nous. Donc n'hésite pas à aller en herboristerie, c'est important. Voilà, j'espère que ça aurait pu t'aider à composer tes tisanes. N'hésite pas à consulter andolove.fr et me faire part de tes commentaires. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast Andolove. Merci, bye bye.